Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour les conseils de cette carte d'aujourd'hui, de ce mardi 8 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Mais comme chaque fois, avant de commencer, eh bien, voici la petite pensée positive de ce 8 octobre. Acceptez la différence. Un enfant qui échoue à l'école, eh bien, n'est pas forcément paresseux ou stupide. Il est différent. Lui chercher une voie d'épanouissement parallèle qui lui permettra de développer ses dons. Très belle pensée. Vraiment, très belle pensée. Aujourd'hui, j'ai pigé la carte numéro 20. Partir loin de chez toi ne changera pas ta situation. Si elle est emmêlée à toi, tu t'en ligoteras. Oh, on pense que, voilà, quand on s'éloigne d'un problème, il va se résoudre. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il ne va pas se résoudre. C'est pas parce que vous vous éloignez que le problème va se résoudre tout seul. C'est comme les personnes qui sont addictes, par exemple, à l'alcool. Voilà, ils boivent pour fuir les problèmes. Mais c'est vrai que quand ils boivent, les problèmes ne sont plus là. Mais quand l'alcool n'est plus dans leur corps, les problèmes sont là. Et ici, partir loin de chez vous, ça ne changera pas la situation. Donc il faut vous armer à essayer de résoudre le problème. Alors le conseil de cette carte, côté finance, ne fuyez pas vos responsabilités. Si vous rencontrez des problèmes financiers, eh bien, mettez en place une stratégie positive avec votre banquier, n'est-ce pas? En fait, c'est toujours mieux que de faire semblant de ne pas les voir. Et encore une fois, c'est dans la communication qu'on peut résoudre des problèmes, n'est-ce pas? Côté sentimental, le conseil, eh bien, la fuite n'a jamais résolu les problèmes amoureux. Ne vous cachez pas la vérité. Si vous sentez la situation critique, eh bien, parlez-en, communiquez, dialoguez. Le dialogue est toujours beaucoup mieux qu'un monologue, n'est-ce pas? Et moi, je vous invite à vous remettre en question si vous êtes dans cette problématique-là. Si l'histoire se termine, eh bien, elle vous aura au moins permis de grandir. Côté professionnel, le conseil, si vous vivez un conflit avec des collègues, eh bien, encore une fois, ne fermez pas les yeux sur les causes réelles. Vous savez, personne n'est jamais tout blanc ni tout noir. Et en fait, chaque situation nous met partiellement en cause. Il vous faut l'accepter afin de trouver, eh bien, la juste réponse à vos problèmes et peut-être aussi avoir ce dialogue et pas ce monologue. Et pour terminer, le conseil côté spirituel, sauf si vous êtes d'humeur voyageuse ou voyageur, vous n'avez pas besoin de parcourir le monde pour être face à votre richesse intérieure. Apprenez à lire en vous. Très beau, encore, message, conseil, avec cette carte, n'est-ce pas? Et encore une fois, je vais encore me répéter, vous avez le libre arbitre et ça va parler à certains, ça ne parlera pas à d'autres.
Je termine avec Ho'oponopono. Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Les secrets sont à la portée de tous. De plus, eh bien, ils sont instruits et humbles. Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Très beau message de Ho'oponopono, n'est-ce pas? Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau, pour de nouveaux conseils, pour un nouveau message, de nouveaux conseils. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et je